à un exceptionnel, dispositif exceptionnel. Pas de cérémonie de vœux, hélas, cette année, mais un format inédit. On innove toujours à Pont-du-Casse. Chers Cassis-Pontines, chers Cassis-Pontins, mes chers administrés, chers amis, jamais, au grand jamais, une nouvelle année n'avait été aussi attendue, autant désirée. 2021 nous tend les bras, et avec elle, on le souhaite, son lot de bonnes nouvelles, de joie, de communion, d'amour, de partage. Une seule idée en tête, retrouver progressivement la vie d'avant. Même si on le sait, elle ne sera sans doute jamais vraiment comme avant. Oui, il y aura un après-Covid, forcément. Et nous devons nous y préparer, tous ensemble. 2020 restera une année compliquée, complexe, polluée par cette crise sanitaire sans précédent, qui n'est d'ailleurs pas terminée. Mais j'ai coutume de dire que c'est dans ces moments tellement particuliers et souvent uniques que l'on mesure la vraie valeur des gens, la solidité des bases. En 2020, Pont-du-Casse, je le dis avec force et conviction, oui, notre ville a su être à la hauteur de cette situation exceptionnelle. En digérant d'abord deux confinements, en gérant ensuite l'après-confinement, le couvre-feu, enfin en innovant, en anticipant, en s'adaptant, en se réinventant continuellement. Élus, agents, administrés, artisans, commerçants, représentants du tissu associatif, tous ont relevé le défi avec sérieux et abnégation. Oui, vous pouvez être fiers d'habiter cette commune, fiers d'y travailler, fiers tout simplement d'être Cassis-Pontins. Et si je devais ne retenir qu'une seule image de cette année, c'est sans aucun doute cet incroyable élan de solidarité contagieux qui s'est propagé sur toute la commune pour confectionner en un temps record 4500 masques en tissu, une denrée alors introuvable sur le marché. Mille merci à ces couturières bénévoles dont le grand cœur a rejailli sur tout Pont-du-Casse. 2020 restera gravé dans la mémoire collective comme une année blanche, sans fête locale, sans marché gourmand, sans marché de Noël, sans manifestation, sans saveur, une année sans. 2021 sera, on l'espère de toutes nos forces, une année avec. On veut y croire, car on a besoin de retrouver ce lien qui nous unit, les uns aux autres. Malgré ce contexte anxiogène, la nouvelle équipe municipale qui m'accompagne au quotidien depuis mars dernier travaille d'arrache-pied à mes côtés pour faire de Pont-du-Casse une ville encore plus autonome, plus économe, plus verte, plus propre, plus solidaire, plus juste. C'est notre feuille de route et nous la respecterons. En 2021, les travaux de la future piste cyclable débuteront. Cette voie verte aura un double objectif. Permettre aux Cassis-Pontins d'aller travailler à Agen en toute sérénité et aux familles de rallier les berges du canal en toute sécurité. Durant les prochains mois, notre ville, votre ville, va aussi prendre le vrai virage de la transition énergétique. Panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux, isolation des combles, changement de chaudière, couverture d'installations sportives, réalisation d'un cadastre solaire. Le plan décarbonisation est lancé, pour de bon. Parmi les autres chantiers de 2021, la mise en accessibilité et la modernisation du centre culturel, la réfection des toitures de nos bâtiments, la réalisation d'un terrain de basket au City Park, l'adressage, la poursuite du déploiement de la fibre, la rénovation de notre éclairage public à travers le plan lumière porté par l'agglo, l'effacement de réseaux, le rafraîchissement de certaines routes, la création de nouvelles habitations, logements conventionnés, terrains à bâtir et plein d'autres projets et réalisations encore. Durant les 12 prochains mois, on ne va pas s'ennuyer à Pont-du-Casse plus qu'ailleurs. En cette période encore troublée, j'en appelle évidemment au bon sens, à la responsabilité de chacun pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la sagesse et la prudence, encore et encore. Je voudrais, au nom de toute l'équipe municipale et de tous les agents de la collectivité, vous souhaiter bonne année, bonne santé, le meilleur pour 2021, de la joie, des fous rires, des projets, des émotions, des fêtes XXL, des moments de partage, du bonheur, de la solidarité, de la gaieté, de l'espoir, de la fraternité, des surprises, de l'audace, du jamais vu, de la douceur, de belles rencontres, du romantisme, de belles balades à vélo, de la réussite, de la folie, de la liberté, de nouveaux espoirs, du panache,
et de l'amour. Et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous.